Alors qu'elle recevait le prix de femme de l'année aux GQ Awards, Sharon Stone a fait sensation sur scène en rejouant la scène culte du croisement de jambes du film de Basic Instinct, alors que son fils était dans le public. Mais elle a surtout livré un puissant discours féministe. La carrière de Sharon Stone a décollé en 1992, alors qu'elle jouait le rôle de Catherine Tramell dans Basic Instinct. Elle interprétait alors une femme fatale blonde platine, très provocante dans une scène en particulier, alors qu'elle croise les jambes de manière sensuelle pendant un interrogatoire, et laisse voir qu'elle ne porte pas de sous-vêtements. La scène était très controversée à l'époque, et est maintenant l'une des plus connues de l'histoire du cinéma. Une scène qui a changé sa vie, comme elle l'a dit ce jeudi 7 novembre sur la scène des GQ Awards. Alors qu'elle recevait le prix de femme de l'année, Sharon Stone, toujours aussi radieuse, s'est dirigée vers la scène, où elle s'est assise sur une chaise. Avec un sourire entendu sur son visage, la star a ensuite recréé sa scène du croisement de jambes, qui a maintenant 27 ans. Bien évidemment, la star qui a toujours un corps de rêve, portait des sous-vêtements cette fois-ci, puisque son fils de 19 ans était assis dans la foule, comme le rapporte le Daily Mail. Il y a de cela quelques années, j'étais assise sur un plateau de tournage, et mon réalisateur m'a dit, peux-tu me donner ta culotte, parce qu'on la voit dans la scène et tu ne devrais pas en porter, mais on ne verra rien. Et j'ai répondu bien sûr, sans savoir que ce moment allait changer ma vie, raconte-t-elle, bien que le réalisateur ait affirmé de son côté que c'était elle qui lui avait donné volontairement sa culotte. Dans un moment incroyable, la star a alors demandé au public de placer deux pieds au sol comme dans la scène du film, puis de les croiser et décroiser en même temps qu'elle, assurant que nous avons le droit d'être puissantes et ce, peu importe le genre de sexualité que nous choisissons d'avoir, et personne n'a le droit de nous enlever ça. Un discours mémorable, que la star planétaire poursuit ainsi, si vous n'avez pas encore connu de moment qui change votre vie, vous allez en connaître un, et on vous en attribuera le mérite, si cela n'est pas déjà fait. Les gens vont vous poser des tas de questions difficiles, si cela n'est pas encore le cas. Alors il est temps désormais de décider qui vous êtes. Il est temps de décider.